C'est comment faire pour lire les messages supprimés WhatsApp sans utiliser d'application ni de logiciel. Par exemple, cet ami, myself73, vient de m'envoyer un message et dit « Salut, voici le code de retrait » et ensuite il supprime tout. Et moi, j'ai envie de voir vraiment le code de retrait pour pouvoir retirer mon argent. Alors, pour faire cela, c'est très simple, mais bien avant de continuer, il faut t'abonner, il faut liker. Alors, tout d'abord, on va vérifier l'heure à laquelle on a reçu le message. On voit bien ici que c'est à partir de 13h59 jusqu'à 14h02. Et pour lire ces messages supprimés, on va aller dans paramètres. Une fois dans paramètres, vous cliquez sur notification. Et là, vous appuyez sur paramètres avancés. Ici, vous allez cliquer sur historique des notifications. Et là, vous glissez vers le bas, vous cherchez WhatsApp. Et quand vous allez voir WhatsApp, à droite, il y a une petite flèche là-bas, vous cliquez dessus. Et là, vous voyez myself73 à 14h02. Le message qu'il a envoyé puis supprimé, c'est JSHSH. Voilà. Et à 14h02 encore, il dit bye. 14h00, il demande si tu as reçu. 14h01 minute, il dit fais vite. 14h01 minute encore, le délai. À 14h02, il envoie le code. Voilà. C'est tout. Abonne-toi et like.